James. J'ai encore fait le même cauchemar. C'est celui où tes amis, ta famille m'asphyxient. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'avoir mon propre territoire. Pourquoi t'acceptes pas une séparation? Louise, I love you. I love you. I couldn't live without you. Oh, je suis fatiguée de tout ça. Me too. Moi, je trouve intéressante la crise des couples actuelle parce que, justement, elle nous oblige à apprendre la communication. Une communication qui n'existait pas avant. Nos parents sont nés dans le monde du silence. Les nations naissent dans le monde du silence. Les pays qui sont déchirés par des problèmes d'identité sont dans le monde du silence et, malheureusement, ils doivent apprendre à communiquer. So do you think our marriage was ever happy? Was it ever healthy? Je sais pas. Je peux pas m'en souvenir. En tout cas, t'as toujours tout dirigé. Ça n'a jamais été une union d'égal à égal. I guess it's bad timing. I invited my mother over for dinner on Sunday night. T'es tellement attaché à ta mère. Je suis sûre que notre relation aurait été différente. Si seulement tu t'étais vraiment sevré d'elle, là, j'aurais pu sentir une vraie relation. Peut-être t'es juste jalouse parce que ta mère t'a abandonné. D'après tout, my mother was ready to love you. Oh oui, mais elle faisait toujours semblant. Tu fais la même chose. Oh, je suis trop différente pour toi. Le problème de l'enfance vient de se rejouer dans le couple. OK? Alors, c'est lui, par exemple, qui a tellement peur de la séparation chez elle, de son goût, sa tentation de séparation à elle. C'est sûr qu'il ne peut pas l'accepter. Il tient simplement à rester uni avec elle parce qu'au fond, ça lui pose des problèmes de sa non-séparation à lui par rapport à son propre passé. C'est ça qui est en jeu là-dedans. Et ça, on le sait que, par exemple, la relation un amour de James avec sa femme, au fond, un jour, il va s'en rendre compte, c'est une relation un amour, sa peur d'aimer profondément cette femme-là, dans sa différence, c'est beaucoup aussi parce que lui est mal séparé de sa mère. C'est-à-dire que lui est encore dans le cocon de sa mère. The rest of Canada and Quebec have been struggling and strangling each other for so long, trying to define, you know, can we dance together? Are we codependent? Are we going to stay in this sick, I hate you, don't leave me, someone once titled the book, that kind of sick relationship, you know, or will we ever be able to listen to some voice of reason that says, okay, guys, you're grown-ups now, let's try and redefine who we are. I don't even know what you really want. Recognition. Puis ça, si tu peux pas me le donner, c'est séparation. No. Yes. No. Oui. No, no, no. Never. N-E-V-E-R. No. N-E-V-E-R.